Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Around the Verse. Cette semaine, petit coup de projecteur sur le tout premier rallye de leur ville. Durant cet événement, 10 concurrents en cyclone doivent parcourir le plus rapidement possible un tracé prédéfini aux abords de leur ville. Concernant le développement, avec l'ajout de nouvelles zones, vous serez amené à faire de nouvelles rencontres. Et Tessia Pacheco est l'une d'elles. Let's hope your execution matches your enthusiasm. Tessia Pacheco, aussi surnommée Twitch, est une ancienne employée de Blackjack Security, avec un passé très riche. Elle a subi un terrible accident lui causant de terribles dommages au système nerveux. À cause de cela, elle fut renvoyée, lui laissant une grande rancœur auprès de Blackjack Security. Elle essaye de ne pas laisser transparaître tout cela en tentant de garder sa gloire d'antan, ce que les développeurs ont laissé transparaître au travers de sa tenue. Ce personnage a été très inspiré par Blade Runner et toutes sortes de fictions des années 80-90. Elle fait également partie du syndicat du crime, c'est pour cela qu'elle porte une tenue légèrement plus combative que la normale. De plus, elle possède un capuchon lui permettant de se dissimuler parmi la foule. Pour ce personnage, les développeurs voulaient tenter quelque chose d'un peu plus poussé. Premièrement par sa personnalité, mais aussi par son design, en utilisant la nouvelle technologie de gestion des cheveux. Les développeurs en sont encore au tout début du pipeline en ce qui concerne les cheveux, ils ne sont donc peut-être pas prêts pour la 3.5. Mais le personnage sera tout de même disponible à cette mise à jour. Walk away and don't come back. We see you. Anywhere near our operations, you're dead. Les développeurs ont hâte de voir la réaction des joueurs face à cet ajout du côté des bad guys, qui apportera un peu plus de saveur et de diversité du côté des méchants. Puisque nous parlons de personnages, David Haddock revient tout juste du Royaume-Uni où quelques scènes ont été tournées pour Squadron 42, ainsi que pour le PU, où elles serviront à gérer le nouveau système de loi sur lequel les développeurs travaillent. Passons maintenant aux armes qui verront le jour à la 3.5. Le Gemini S71 est le premier fusil d'assaut avec une lunette faisant son apparition dans le jeu, ce qui en fait un fusil très précis, avec son mode de tir coup par défaut parfait pour les tirs longue distance. Et pour des portées plus courtes, vous pourrez passer en mode rafale. Pour l'armement, vous pourrez aussi profiter du CODA, qui est le troisième pistolet à intégrer le jeu. Que ce soit le son, le recul ou le design, absolument tout dans ce pistolet respire la puissance. Pour la création de ces armes, les développeurs essayaient de suivre un chemin le plus réaliste possible. C'est pourquoi lorsque vous tirez, la fumée qui se dégage du canon sort réellement des petites ventilations à l'avant. C'est ce genre de petits détails qui donne aux armes de Star Citizen un aspect réaliste. Pour le CODA, le processus est légèrement différent, car le but principal est de respecter le design très agressif particulier à Castac. Mais à cause de cela, les développeurs ont rencontré un problème. Sur la première version, les douilles s'éjectaient vers l'arrière, entre le pistolet et le casque du joueur. Ce qui n'est pas forcément un problème sur la surface des planètes, mais en devient un dans l'espace. Les développeurs ont donc redirigé l'éjection des douilles vers l'avant. Ces armes sont actuellement passées en revue pour être très prochainement mises dans la main des joueurs. Passons maintenant à une fonctionnalité que j'attends avec impatience, le système de caverne. Ce système en est encore à ses tout débuts et n'est pas encore prêt à être implémenté, mais CIG souhaite partager avec nous ses tout premiers essais. Contrairement à d'autres fonctionnalités, les cavernes n'ont pas eu besoin de nouveaux outils pour être créées et utilisent le système de connexion servant aux aires de repos. Les développeurs souhaitaient que lors de vos pérégrinations, vous puissiez tomber sur cette structure étrange piquant votre curiosité. Vous vous glisserez alors à l'intérieur pour explorer les tréfonds de la Terre, et vous ne saurez alors jamais ce qui vous attendra à l'intérieur. Une minuscule entrée avec une gigantesque caverne, ou un vaste tunnel suffisamment large pour votre vaisseau, au bout duquel vous trouverez une voie sans issue. Lorsque fut venu le moment de démarrer les recherches sur les grottes, les développeurs étaient très excités, car ils attendaient depuis très longtemps de pouvoir faire les premiers essais. Les développeurs ont tout d'abord créé la base de ce que l'on pourrait trouver à l'intérieur des cavernes. Par exemple des zones d'apparition permettant de placer un PNJ, ou encore des objets minables et des surfaces escaladables permettant de récupérer des objets cachés. Une autre volonté des développeurs était que dès votre entrée dans la caverne, vous puissiez voir un chemin clair et précis. Vous voyez ici en bleu le chemin destiné au joueur qui doit rester libre quoi qu'il arrive. Et les zones oranges sont réservées au design, pour placer des objets faisant partie du décor. Avec ce système, une pièce peut avoir un seul ou plusieurs passages. Cela veut dire qu'avec l'outil procédural, et donc la génération aléatoire, vous ne saurez jamais ce qui vous attend. Parfois le chemin sera bloqué, parfois vous pourrez partir à la recherche d'un autre passage. Les grottes ne seront donc pas répétitives.
Tout comme les aires torpo, il leur suffit de définir quelques paramètres de base et d'appuyer sur un bouton pour créer toutes sortes de réseaux souterrains, et de finaliser le tout avec des éléments personnalisés. Ici, vous pouvez voir un essai réalisé sur des mares, avec la création d'une structure large. Vous pouvez voir que plusieurs tunnels débouchent sur des salles différentes qui permettent aux développeurs de faire apparaître toutes sortes d'éléments. Sur cette image, vous avez un autre exemple, où l'entrée est en forme de gouffre, laissant la place pour un petit vaisseau. Une fois confronté à ces environnements, vous vous rendrez compte qu'il ne vous suffira pas de courir au travers. Vous devrez parfois grimper, ou même ramper, ce qui pourra créer des sensations très claustrophobiques. Certaines zones pourront même être immergées, vous n'aurez donc pas l'impression de traverser encore et encore la même grotte à travers l'univers. Je le répète encore, mais ce ne sont que les tout premiers essais de ce nouveau système. Il faudra donc encore attendre un peu avant de crapahuter dans ces tunnels. Gardez donc un œil sur la roadmap pour suivre le développement de cette fonctionnalité. En parlant roadmap, le panneau Defender passe de la 3.5 à la 3.6. Le design organique étant tout nouveau pour les créateurs, ils ont encore besoin d'un peu de temps pour peaufiner l'esthétique Banu. Demain, vous pourrez retrouver Josh Herman pour un Reverse the Verse live, où vous pourrez l'aider à créer une nouvelle armure. Merci à tous les tipeurs pour leur soutien. Si vous souhaitez vous aussi soutenir mon travail, vous pouvez le faire gratuitement sur Utip, ou me laisser un pourboire sur Tipeee. Je serai samedi au bar Citizen de Lyon, où nous pourrons discuter autour d'un verre. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous fais des bisous des étoiles et je vous dis à très bientôt. Around the verse.